Jodi a fait pratiquement 26 jours depuis qu'il a assassiné Jovenel Moïse. Et 26 jours après, le pays a une situation exceptionnelle. Et jusqu'à présent, pour le secteur démocratique et populaire et pour le peuple haïtien, le pays n'a pas de gouvernement. Jusqu'à présent, nous ne reconnaissons pas aucun gouvernement, nous ne reconnaissons pas aucun premier ministre. C'est-à-dire qu'on vide institutionnel, un vide politique dans notre pays. Et nous disons tout le temps, nous produisons encore à Soya, tout autant, pas gagner un consensus politique qui baille un accord politique, nous ne pas reconnaître aucun gouvernement, nous ne pas reconnaître aucun premier ministre, aucun ministre, nous ne pas reconnaître personne. Et le secteur démocratique et populaire est engagé dans la bataille pour nous capables de résoudre la crise politique, ça, pour nous capables de joindre un accord politique. C'est dans ce sens ça, Ricasso dit qu'on nous parle avec tout le monde dans la société civile, tout le monde dans la classe politique. Là. Et je dis, nous parlons avec la communauté internationale. Là. Nous parlons avec M. Ariel Henry et nous disons dans la figure que jusqu'à présent, pour le secteur démocratique et populaire, il n'est pas premier ministre. Nous ne reconnaissons pas comme premier ministre. Et nous ne reconnaissons aucun premier ministre, tout autant par un accord politique. Et nous disons le matin en tout. Avec la communauté internationale là que nous rencontrons. Nous disons, pour le secteur démocratique et populaire, 7 juillet 2021, ils ont assassiné Jovenel Moïse. Et comme Jovenel Moïse était écrasé toute institution dans le pays, il était écrasé le pays, je dis, nous avons une situation exceptionnelle. Pour nous sortir dans cette situation, il faut qu'on ait un consensus politique qui baille un accord politique. Accord politique ça gagne une série de éléments, une série de dossiers qui doivent en dedans accord politique ça. Accord politique ça, premier bagaille, c'est que faut le ban un gouvernement consensus, c'est pour un gouvernement PHTK, un gouvernement comme si Mtadou fait les 20 sans rete là comme ministre de la justice, yo conserver tout gouvernement et puis on dans l'élection. C'est comme si nous étions des imbéciles. Non, ça ne marchera pas comme ça. Un gouvernement de consensus, un gouvernement équilibré. Deuxième élément, nous dit nous-mêmes, nous voulons un gouvernement, un exécutif bicéphale. Nous dit communauté internationale là ça et nous dit monsieur Ariel Henry ça, nous voulons un exécutif bicéphale, c'est-à-dire fort grand président, fort grand premier ministre, et c'est conforme à la Constitution, c'est conforme aux lois de la République. Nous dit dans l'accord politique ça, il y a un bagage qui est fondamental pour nous, c'est la libération des prisonniers politiques. Nous dit avec la communauté internationale la matin, parce que nous rencontrons, nous dit avec M. Ariel Henry, qui n'est pas premier ministre parce qu'il n'y a pas d'accord politique, mais qui occupait espace primature, il chita l'autre bord. Il faut qu'il y ait une libération des prisonniers politiques. Et des prisonniers politiques, tant que Anel Belizer, tant que Kilik, tant que Job et tout l'autre qui est éparpillé à travers le pays, au Cap Haïtien, Jacques Mel, au Kai, dans le plateau central, faut tout prisonnier politique ça est libéré. Et nous disons ça. Pas gain accord politique si prisonniers politiques n'ont pas libéré et nous insister sur ça. L'autre élément qui est important, que nous parlons maintenant avec la communauté internationale et avec M. Ariel Henry, que nous ne reconnaissons pas comme premier ministre, mais qui occupe le primature, c'est question élection. D'entrée de jeu, le secteur démocratique et populaire dit très clairement, nous-mêmes nous rejetons la parole élection dans la fin année 2021. Par aucune condition qui réunit pour gagner l'élection. Et dans l'accord politique là, il faut qu'un conseil électoral crédible, un conseil électoral honnête, qui fait avec participation un ensemble de secteurs clés dans le pays. Un secteur tant que la presse, ou pas qu'à faire conseil électoral pour le baladan. Un secteur tant que FBH, la Fédération des barreaux de la République, qui sont un secteur très représentatif, ou pas qu'à gagner conseil électoral sur le baladan. Un secteur tant que les syndicats, faut y la donne. Le secteur paysan,
fort dans conseil électoral là. Un secteur tankou, secteur vaudouisant, fort que la donne. Secteur droits humains, fort que la donne. Conférence épiscopale, fort que la donne. Etc. etc. C'est-à-dire que un conseil électoral fort équilibré. Nous parlons des organisations populaires qui doivent en dedans et conseil électoral ça. Bref, pour nous, fort bon conseil électoral crédible. Et conseil électoral ça, c'est lui-même qui pourra le faire en évaluation du processus électoral, qui pourra jeter question 4 des malogues là, qui pourra dire maintenant qui période élection est capable de faire. Pour l'élection en fin année 2021, mon a parlé, c'est mon qui gagne folie à l'élection. Et nous dit, il y a un élément fondamental qui doit dans tout accord politique, c'est la sécurité. Il faut casser les gangs, il faut désarmer les groupes armés. Nous connaissons Jovenel Moïse, non seulement craser toute institution pays, mais avant de mourir, il te fait alliance avec gang pour craser pays, pour violer monde, pour tuer monde, pour voler bagaille monde. Pour assassiner moun. Faut yo désarmer tout groupe armé yo. Faut yo craser gang yo pour capable gagner conditions qui réunit pour élection faite. Le moment va arriver, pas dans fin année. Nous dit nous attachés à question conférence nationale là. C'est là pour discussion faite parce que nous gon système pesé sous c qui s'y m'a mis dans quatre coins pays a depuis au final assassiner papa nation Jean-Jacques Dessalines. Faut craser le système basé sur ça. C'est revendication peuple là et secteur démocratique et populaire, il pas jamais quitter revendication peuple là tomber. Nous dit une série de décisions Jovenel Moïse te prend, vieux décret te prend, faut y rentrer yo. Nous dit les Jovenel Moïse prend tes paysans, plateau central, la Tibonite dans nord, faut y reprendre tes paysans dans main à peine pour les paysans yo terre yo. Parce que nous pas accepter ça. Nous-mêmes, nous arrêtons. Nous-mêmes, dans le secteur démocratique et populaire, nous arrêtons avec l'oligarchie. C'est ce jour que nous proposons de combattre l'oligarque et puis la voler des paysans par grand nègre. C'est un menteur, c'est un bluffeur. Vous ne pouvez pas faire confiance. Ok? Nous disons tes paysans, Jovenel te prend pour le bail à c'est pour reprendre tes paysans. On va être fondamental pour les paysans. Nous disons, faut que la justice fonctionnelle, c'est important, le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Il y a des juges d'instruction, il y a des juges honnêtes, ils n'ont pas jamais nommé eux. Tant que Jean-Wilner Morin, ils n'ont pas jamais nommé comme juge d'instruction. Bon, prendre l'autre juge d'instruction qui est honnête, si SPJ dit qu'il a bien travaillé, ils n'ont pas jamais reconduit comme juge d'instruction. Nous disons, dans l'accord politique, ça y est. Fort question ça yo adressé parce que nous pas accepter pour juge d'instruction, juge qui est honnête, yo mette yo dehors et puis qu'on y a c'est juge d'un coup, la monte taxi mais y a ban nous, la mabelise y a ban nous. Non, nous pas accepter ça. Fort ça n'a accord politique là. Nous dit également une série de gros dossiers de justice, faut un accord politique là. Massacre la Saline, côté te faire cochon, manger cadavre. Action nous que Jovenel Moïse est assassiné, faut que procès ça y fait. Nous dit massacre Cité Soleil que Jovenel Moïse te fait avant d'être assassiné, faut que procès ça y fait. Massacre Belé, oui, faut que dossier ça y avance. Massacre Delma 32 que Jovenel Moïse pas avant là, avant d'être tué là, faut que procès ça y fait. Procès bâtonnier d'Orval que tout le monde suspecte. C'est Martine Moïse qui tue. Faut que procès ça avance. Nous dit procès, Grégory Saint-Hilaire, que Jovenel Moïse, avec sécurité par le national, exécuté dans l'école normale, faut que procès ça avance. Nous dit, on est dans le petit blanc tatou, nous tous te connaissons là. Il a exécuté pendant le bras de la Kaili. Faut que dossier ça avance. Nous pas céder en iota. Sous revendication peuple là. Nous dit procès Petro-Caribé. Tout le monde connaît qui est-ce qui vole comme Petro-Caribé. PHTK, Mateli, Lalo, Elatrier. Faut que dossier ça avance. La mort, nous ne pouvons pas quitter dossier ça à camper dans route. Alors, en gros, secteur démocratique et populaire. Pour clair, pour notre démarche, nous avons rencontré tout le monde pour un accord politique. Mais premier bagage. Nous ne pouvons pas reconnaître aucun premier ministre.
aucun gouvernement tout autant pas un accord politique. Et à soi encore, nous pas reconnaître Ariel Henry comme premier ministre, parce que c'est pas nous qui mettons pas un accord politique. À soi encore, nous pas reconnaître aucun monde qui dans le gouvernement ça. À soi encore, nous dit, je dis à un vide politique dans tête l'État, pas un président, pas un premier ministre, pas un ministre. Nous clair sur ça, c'est la position du secteur démocratique et populaire. Et là, n'a pas avancé. La police, il faut qu'on coup de balai qui fait. On a découlé un châle, on passe le tabac et démission déjà. Nous ne sommes pas confortables avec elle. Bref, nous avons porté les revendications du peuple pendant toute rencontre que nous faisons avec le monde dans le secteur diplomatique, l'autre monde dans la société civile, l'autre monde qui est dans la classe politique, avec M. Henry, jusqu'à présent, qui occupait et fauteuil primature. Et nous engageons nous. Pour nous faire tout ça possible pour un accord politique le plus vite possible. Et nous disons, société civile, marché contre, prend responsabilité. Marché pour la vie. Mais marché pour la vie. Marché pour la vie, qui est la dernière, Gédéon Jean, Fédération des Barons, puis le monde. Prend responsabilité, nous. Nous-mêmes, nous travaillons avec eux. Et nous disons, la société civile, là, et écoutez, il faut qu'on travaille tout l'autre monde, parce que pas aucune société civile qui a droit, qui a autorité, qui a une solution là. Et nous disons, l'autre monde politique, attention. Faut que tout le monde vide mes yeux sous table là. Pas y a personne monde qui vient imposer aucune solution ça. Et nous dit Ariel ou même ou pas comme premier ministre même parce que vous avez un accord politique. Voilà la position que nous avons défendue aujourd'hui et avant hier au cours des différentes rencontres avec les secteurs que nous avons rencontrés dans le cadre de cette démarche pour aboutir à cet accord politique. Merci la presse. C'est pour ça secteur démocratique là hier. Nous transparents. Tout ça n'a fait. Nous faisons devant la population. Le Jovenel Moïse était là, c'était un assassin, c'est un criminel, c'est un menteur. Nous n'avons jamais accepté de rencontrer pendant 4 ans et demi, il fait abcraser le pays. Mais je dis, nous croyons qu'il faut parler avec tout le monde et nous continuer à parler avec tout le monde pour nous capables de construire le pays sur une base consensuelle et de dialogue permanent pendant que nous continuons à porter revendication peuple, revendication jeune, monde dans le quartier populaire, revendication diaspora, revendication paysan, revendication pays, pour nous capables de craser le système PCSUC, ici ma misère dans le pays. Merci beaucoup, secteur démocratique et populaire. Remercier la presse qui l'a assuré. Nous sommes capables de faire des conférences de presse et nous féliciter tous les médias traditionnels, radio, télévision, médias en ligne qui ont fait des conférences de presse en direct. Merci en pile. Et restez connectés avec le secteur démocratique et populaire. Dans le jour 4 minutes, avant longtemps, nous avons l'autre information qui est importante.